tous ceux qui critiquent. Hey, oublie pas, t'écoutes encore Chris Brown. Oublie pas que si Chris Brown demain il te demande ta main, tu vas le marier. C'est-à-dire que faire le mec, ouais, on est hyper choqué. Eh hey, frérot, t'es hyper choqué, t'écoutes Chris Brown tous les jours dans tes écouteurs et tu serais prêt à te marier avec lui. Oulala, là je suis dans un bad buzz de fou là. Là je suis dans un bad buzz vraiment, vraiment éclaté. Bon les amis, je vais pas faire le mec. Je vous dis honnêtement, je vais pas faire le mec en mode je suis trop triste, je suis déçu, ce qui s'est passé, ça me fait mal au cœur. C'est pas vrai parce que moi je connais le début de la soirée, je connais la fin de la soirée, je sais tout ce qui s'est passé. Honnêtement, je vais pas faire le mec, oh, je suis trop déçu, machin. Je vais me remettre en question. Non, je sais exactement tout ce qui s'est passé. J'étais là du début à la fin. Je vais même vous dire une anecdote. C'était chez moi il y a 2 ans. Tu vois, là, je te parle d'une vidéo d'il y a 2 ans. Tu vois, là, tu as vu, chez moi, c'est blanc. Là où j'étais, c'était jaune. C'est au Five Palm. Tout le monde, tous ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que c'était chez moi à l'époque. Et je vais pas faire le mytho. Je vais vous raconter l'histoire du début jusqu'à la fin et je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité, que ça plaise ou pas. Moi, je vais vous dire la vérité en tout cas. Ce qui est bien avec ce genre d'histoire, ça permet toujours de remettre les pendules par rapport à tes amis. Tu vois, il y a ceux qui disparaissent aussi vite qu'ils sont venus. Et il y a ceux qui restent, qui demandent à savoir ce qui se passe, qui me disent « Écoute, Dylan, je te connaissais, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ?» Et après, il y a tous ceux qui disent… Et après, pour ceux qui me suivent, ceux qui ne me connaissent pas personnellement, il y a… Putain, je savais que c'était un faux musulman. Je savais qu'il avait été à Madagascar 1 mois et demi, 45 jours pour le buzz. Je savais que c'était un mauvais gars. Je le savais en fait. C'est un mauvais gars, il rigole de la vidéo et tout. Voilà. C'est. La religion, il prie pas vraiment en fait. C'est un faux musulman. Tout est faux, tout ce qu'il a fait est faux. Parce qu'en fait, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Et le dicton est incroyable et c'est totalement vrai. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Tu peux faire tout ce que tu veux, il te suffit d'un bad buzz pour remettre toute ta vie en question. Mais c'est comme ça, on l'assume. Bon les amis, je vais vous expliquer du coup ce qui s'est passé cette soirée-là. Même si c'était il y a 2 ans, tu vois là je te parle d'une histoire d'il y a 2020. Et ça me donne le sourire parce que les gens vivent par rapport à vivent là en ce moment même par rapport à une histoire de l'époque. C'est-à-dire qu'ils te reprochent un truc d'il y a 2 ans. C'est-à-dire que moi je m'en contrefous. Genre là juste je m'explique pour que vous ayez l'explication et vous ayez toute l'histoire. Mais je m'en contrefous de ce qui s'est passé il y a 2 ans. Je vis en 2022, tu vois ce que je veux dire, je vis pas en 2020. C'est-à-dire que je sais ce qui s'est passé et les choses négatives ou positives que je peux recevoir sur les réseaux, je m'en contrefous parce que je sais ce qui s'est passé et que je suis en 2022. T'as vu, je suis en 2022, je suis plus en 2020. Mais je vais juste expliquer pour ma communauté qui me suit et qui me soutient, peu importe ce qui se passera et même peut-être si j'en ai déçu quelques-uns, c'est normal parce que je rigole de la vidéo et tout. Mais c'était en 2020. Tu vois, on est en 2022 et je m'en contrefous carrément. Je m'en contrefous carrément parce que je suis en 2022. Et en fait, je vis dans la vraie vie. C'est-à-dire que là, dans la vraie vie, on est en 2022. Je ne vis pas sur Instagram que l'histoire, elle est en 2020. C'est-à-dire que moi, je suis un mec, et ça, souvent, je le répète à mes collègues influenceurs ou même des gens qui me posent des questions. Je leur dis, hey, les gars, je suis en 2022. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça, 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 ça. Là, vous me parlez d'une histoire il y a 2020 ou d'une ancienne histoire. Moi, je vis dans la vraie vie. Je ne vis pas sur Instagram. Je ne vis pas sur Instagram. C'est-à-dire que là, la vraie vie, c'est là maintenant. Ce qui se passe sur Instagram, c'est un téléphone. Si je veux, Instagram, je suis pris, mais c'est réglé. C'est une application éclatée comme toutes les autres qui nous sert de travailler, de visiter, de parler avec certaines personnes, de faire de connaissances. Mais si je veux, je supprime Instagram et c'est réglé. L'histoire, elle est finie. Tu vois ce que je veux dire, frérot ? Dire que ce que les gens te disent sur Instagram ou tout ce qui se passe sur Instagram, il faut essayer de s'en détacher. Tu vois, la vraie vie, c'est là. C'est quand tu marches, quand tu vas faire ce qu'il y a à faire dans la vie, tu vois. Ce qui se passe sur les réseaux actuellement, c'est pas la vraie vie. Actuellement, tu vois, je suis là, j'habite plus là-bas, je suis là. Tu vois, j'ai peut-être, tu vois, j'ai plus les mêmes fréquentations aussi. Tu vois, ça c'était, je parle pas de mes collègues de la vidéo, je te parle de genre, c'est, là regarde ça, c'est différent. Tu vois, c'est, bon, déjà pour remettre les pendules à l'heure, je vais vous dire un truc qui me fait gentiment rire. Tous ceux qui critiquent. Hey, oublie pas, t'écoutes encore Chris Brown. Oublie pas que si Chris Brown demain il te demande ta main, tu vas le marier. C'est-à-dire que faire le mec, ouais, on est hyper choqué. Eh hey, frérot, t'es hyper choqué, t'écoutes Chris Brown tous les jours dans tes écouteurs et tu serais prêt à te marier avec lui. Alors qu'il a Rihanna, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, les gens ils font les choqués. Crois-moi, je te rassure, j'ai déjà vu pire dans ma vie que cette vidéo-là. Alors faites les choqués 2 minutes, mais moi, sachant ce qui s'est passé, je suis pas très choqué.
Et je suis pas très choqué maintenant et j'étais pas très choqué avant il y a 2 ans. Je vais t'expliquer l'histoire. À l'époque, pour ceux qui me suivent, et aussi dans la soirée, on est une vingtaine, je crois qu'on est 25, limite 30, sauf que dans la vidéo, on voit 6 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a réagi, je vous rassure, et pourtant il y avait une quinzaine de meufs. Tu vois, il n'y a personne qui a réagi. Elle va dans mon dressing. À l'époque, putain, pour ceux qui me connaissent, j'avais un dressing comme ça qui était coulissant et il y a une petite porte comme ça et rentrer dedans. Elle va dans mon dressing et à ce moment-là, je vous le dis honnêtement, elle me prend. Je vais pas dire. Je vais vous dire la vérité. En vrai, elle me prend des bijoux Cartier. Des bijoux Cartier, il y avait au moins pour 100K dans sa poche. Elle avait pris deux bracelets Cartier. Je crois qu'elle avait pris des bagues, je suis pas sûr. Hicham, il a vu ça. Hicham, c'est un mec qui défend. Il défend ses potes, c'est comme ça. C'est un mec, il défend ses potes. Il voit ça. Je vous le dis directement, que ça le plaise ou pas. Moi, je vais raconter la vérité. Il la prend par le bras, mais fortement. Genre, il la prend par le bras. Et au début, nous, on comprend pas, surtout qu'elle crie et tout. Genre, elle crie direct, mais on comprend pas pourquoi elle crie. Genre, il la prend par le bras, on comprend rien de la soirée, tu vois. Et à un moment donné, il dit, ouais, elle t'a volé, elle t'a volé. Et elle crie, mais il dit, ferme ta gueule et tout. Elle prend une bouteille de champagne, elle veut le taper avec la bouteille de champagne. Il prend la bouteille de champagne, il la met par terre. Quand il la met par terre et que vous voyez en train de, Hicham en train de lui prendre le visage comme ça et que Ahmed, il dit, ouais, crache-lui à la gueule. Non, il dit recrache-le à la gueule. Réécoutez bien la vidéo. Il dit recrache-le à la gueule. C'est parce qu'en fait, elle lui a craché un molar à la gueule. Elle lui a craché un molar à la gueule. Elle a voulu le frapper avec une bouteille de champagne et elle m'a volé. C'est-à-dire que lui, il la sort du dressing avec les bras et elle peut avoir des bleus sur les bras, c'est possible. Hein. Moi, je vous dis carrément, désolé Hicham, mais je dis la vérité. Elle peut avoir des bleus sur les bras parce qu'il l'a tiré assez fort. Il la tire, elle prend une bouteille de champagne, elle crie, elle veut le frapper avec. Quand elle est par terre, elle lui crache à la gueule. Il lui tient même la bouche comme ça à un moment donné, c'est parce qu'elle lui crachait à la gueule. Voilà, il lui tient la bouche parce qu'elle lui crachait à la gueule. Et je peux vous dire, parce que j'étais là, il n'y a eu aucun coup de poing dans son visage, il n'y a eu aucune claque dans son visage. Je sais qu'il tapait sur la table, il tapait contre la porte. Je sais même qu'il s'était, je crois qu'il s'était cassé un os, il m'a envoyé une photo, parce qu'il avait tapé contre la porte. Et le pire de tout ça, c'est que à la fin de la soirée, genre quand ils ont fini leur dispute, parce que les deux, ils étaient dans un état à laisse tomber, à la fin de la soirée, ils ont discuté, ils se sont mis comme ça. Ils allaient sur le balcon, machin, et ils discutaient ensemble comme si c'était deux meilleurs amis. Et en fait, ce qui me fait drôlement rire, c'est qu'à aucun moment, elle a quitté l'appart, à aucun moment, elle a porté plainte. Il y a, en fait, cette histoire, la fille elle-même, elle n'a rien fait. Elle a ni porté plainte, ni elle s'est barrée de l'appart. Et même après cette histoire, ils ont discuté ensemble, genre c'est des potes. Et il n'y a personne qui a réagi. Et pourtant, on était 30 dans l'appart. Mais ceux sur lesquels on va taper, c'est ceux qu'on voit dans la vidéo. Et c'est normal. Parce que là, dans la vidéo, vous voyez le salon, mais il y a la chambre derrière, il y a une autre chambre derrière. Bon, je vous passe les détails, mais en vrai, moi, je suis pas dans la chambre, tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, ils sont dans la chambre et il y a plein de monde. Et il y a des copines à elles qui sont sur le balcon et tout. Et tout le monde s'en bat les couilles. Et même nous, les candidats de télé que vous voyez dans la vidéo, on est là. Et même à un moment donné, on va voir Hicham. Je vous promets que c'est vrai, je vais voir Hicham. Je dis, ouais, frère, quand même, abuse pas. Et il dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. C'est-à-dire que le mec, il est encore lucide. Il me dit, t'inquiète, je sais ce que je fais. Se dire, t'inquiète, je vais pas lui défoncer la gueule. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai vu que c'était chaud. J'ai vu, j'ai dit, oh frérot, j'ai été le voir. Et à un moment donné, il dit, cassez-vous, barrez-vous. Je dis, oh frérot, calme-toi quand même, tu vois. Et il dit, t'inquiète, genre en mode de t'inquiète, je vais pas lui défoncer la gueule. Mais il y a eu un manque de respect des deux côtés. Je t'invite chez moi. Enfin, j'invite des gens chez moi. Tu vas dans mon dressing, tu essaies de me voler des bijoux. C'est un manque de respect total. Tu vois, tu vas dans mon dressing, tu essaies de me voler des bijoux. Et en plus, pas des petits bijoux. Peu importe la valeur des bijoux, mais tu allais repartir de chez moi avec 150 euros de bijoux. 150 000 euros de bijoux, pardon. Et après, quand on la prend en flagrant délit, tu débats encore. Genre en mode, tu cries, tu veux prendre la bouteille de champagne, tu veux taper Hicham avec, tu lui craches à la gueule. Et après, tu sais, il y a tous les super-héros qui me disent, ouais, les gars, vous auriez pu appeler la police. Ouais, les gars, vous aurez pu tout simplement lui dire de sortir, mais c'est quand il la tire, quand il lui tire le bras et tout ça, normalement, quand il la tire, c'est pour la dégager dehors. En mode, casse-toi, genre, tu vois. Quand il la tire, c'est pour la dégager dehors. Mais elle crie, elle veut prendre une bouteille de champagne, le taper avec, elle lui crache à la gueule. À un moment donné, ok, c'est Hicham le méchant, vous avez rigolé et tout. Moi, j'étais là au début et j'étais là à la fin. Et en aucun cas, je vais dénigrer Hicham parce que moi, je sais ce qu'il a fait. Tu vois, je sais qu'il lui a pas mis de patate et je sais qu'elle, elle n'a pas porté plainte et il lui a pas mis de claque dans la gueule ou autre. Vraiment, il n'y a pas eu de coup. Et à un moment donné, elle lui crache au visage. Oui, il lui tient sa bouche. Bah, frère, il lui crache au visage, elle lui tape avec une bouteille de champagne. À un moment donné, il faut aussi, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ahmed, il filme. C'est parce qu'en fait, genre, on la filme. Parce que, genre, on l'a eu. Tu vois, genre, on l'a eu. Enfin, on l'a eu. T'as capté, genre, on l'a eu en flagrant délit. Tu vois, genre, et c'est pour ça que c'est filmé en fait. C'est parce que, genre, elle nous a volé. Enfin, elle m'a volé. Elle aurait dû me voler. Elle aurait dû me voler. Mais moi,
Honnêtement, encore une fois, que ce soit au début de la... En plus, ce qui est dommage, c'est que la soirée, elle était bonne en vrai. La soirée, on a eu bon délire. Après, on a tous mangé ensemble. On a bien rigolé. Mais il faut toujours que quelqu'un vienne chez toi pour te voler des trucs. Moi, j'aime pas ces trucs-là. C'est, tu vois, te voler des trucs, venir chez toi pour te voler de l'argent, des bijoux, autre. C'est à vomir aussi. Et après, quand tu te fais choper, genre, tu te débats encore. Tu veux taper le mec avec une bouteille de champagne. Tu le craches à la gueule. À un moment donné, t'as volé. Ou tu sors, tu te laisses accompagner dehors et tu fermes ta gueule parce que attends, tu viens chez les gens et tu voles les gens. Mais pour moi, c'est pas Hicham le méchant dans cette histoire. Parce que là, c'est facile. Mais tu vois, tu prends la vidéo, elle dure 15 secondes. Tu dis, oh, il y a un mec, il est méchant avec une meuf et il y a d'autres mecs qui rigolent. Ah, génial. Bah, elle a fait quoi pour que. Ok, je cautionne pas du tout, c'est pas beau à voir. Mais c'est pas beau à voir, c'est pas beau, c'est dégueulasse. Je suis pas fier en mode genre on a un Oscar. Mais. Genre Hicham, je sais pourquoi. T'as vu, j'étais là. Je sais pourquoi. Tu vas chez les gens, t'es invité chez les gens, tu voles des bijoux. Après, tu veux te débattre encore. Tu vois, tu voles les gens. Tu veux daber le mec avec une bouteille de champagne. Tu te débats, tu cries et tu lui craches à la gueule. À un moment donné, tu vois, même si Hicham, c'était pas mon pote, n'importe quel mec aurait fait ça, j'aurais dit, oh frérot, elle abuse, gros, elle lui crache à la gueule, elle veut le taper avec le... Quoi, se dire quoi? C'est-à-dire que lui, il la sort du dressing. Il se laisse taper dessus avec une bouteille de champagne et après il se laisse cracher à la gueule. Bon, dans ce cas-là, frérot, dans ce cas-là, ok, on a pas la même vision des choses. Mais si on aurait pu éviter tout ça, que ça soit en off ou en in, parce que là c'est sorti, mais même ça va être en off, si on aurait pu éviter tout ça, c'est avec plaisir. T'as vu, quand on fait des soirées comme ça entre amis, c'est pour se taper des bons délires, on est avec la GTA, on veut passer des bons moments. Mais tu vois, quand t'invites des gens comme ça et qu'ils essaient de te voler et qu'après, en plus, ils se font choper, ils veulent te... Tu vous imaginez, cette meuf-là, elle était bourrée, elle avait bu, elle l'aurait tapé avec la bouteille de champagne. On aurait dit, ouais, c'est pas grave, ouais, tu vois, ce qu'on prend, c'est une meuf, machin. Oh, elle a pris une bouteille de champagne, elle lui a éclaté la gueule, il aurait été déformé à vie. Heureusement qu'il se laisse pas faire. Et après, quand il la met par terre, genre, elle lui crache à la gueule. Mais en plus, bon, elle avait bu, alors bon, t'imagines le molar, je te passe les détails, elle lui crache à la gueule. Ah, le mec, il se laisse cracher dessus à la gueule, machin et tout ça. Alors, ouais, il a pété un câble, il est sorti de ses gonds. Je cautionne pas, ça a été fait salement et tout, c'est triste à voir et tout, je cautionne pas, mais il est sorti de ses gonds et moi, je sais pourquoi. Mais voilà, vous avez toute l'histoire. Hicham, t'as vu, voilà, j'ai épargné personne, j'ai dit juste la vérité. C'est possible qu'elle ait des bleus sur les bras parce que Hicham, il l'a tiré fort du dressing. J'étais là, je me rappelle, il l'a tiré comme ça et elle criait, machin et tout ça. Je dis juste la vérité. Moi, honnêtement, ce qui paye toujours, c'est de dire la vérité. Que ça pèse ou pas, que ça peut mettre Hicham en porte-à-faux ou pas, je dis la vérité. Ça a été virulent, machin, mais je vous le dis encore une fois, il n'y a pas eu de plainte. Après cet événement-là, je vois qu'ils se sont engueulés dessus, qu'ils se sont criés dessus, qu'ils se sont insultés, crachés dessus, bah, tout ce que tu veux. Ils ont continué à parler ensemble. Et aujourd'hui, je suis encore en contact avec les amis de cette fille. Pour vous dire à quel point, voilà quoi. Tu vois, ça fait drame sur les réseaux, mais moi, tu as vu, je pars de la vraie vie et je sais ce qui s'est passé. Et je vous le dis honnêtement, je te le dis, t'as vu, je te le dis très naturellement, de cette histoire, je vais m'en tirer parce que je dis la vérité. Tu vois, c'est ça toute la différence, c'est que moi, je dis toujours la vérité. Que ça plaise ou pas et que ça aille contre moi, je dis la vérité. C'est toute la différence entre certains et d'autres. Et après, si j'ai pu décevoir des mamans ou des femmes ou des gens qui me suivent et tout, je suis désolé. C'est toujours décevant de décevoir des gens. T'as vu, parce que je suis suivi par pas mal de monde. Si j'ai déçu des personnes, j'en suis désolé. Si, et surtout, même pas. Je préfère même pas pour vous, en vrai, même plus pour la famille de cette fille. Tu vois, si tu me regardes, je sais que tu parles sûrement français. Je me rappelle, tu étais marocaine en plus. T'étais marocaine. Du coup, si les mamans, si la sœur et tout ça, elles ont vu cette vidéo, je suis totalement désolé. Je suis vraiment désolé pour vous, pour votre famille, pour votre sœur et tout. Mais encore une fois, j'étais là à la soirée et votre sœur, elle a un petit peu abusé. Tu vois, la sœur, là, votre sœur ou votre amie et tout, elle a un petit peu abusé. Après, ça se fait pas, je cautionne pas ce que Hicham a fait, mais les deux étaient un peu dans un état un peu, voilà, un peu chelou. Mais du coup, je suis désolé. En plus, ça s'est passé chez moi. Je suis vraiment désolé pour tout le monde et surtout pour les familles de cette petite fille. Enfin, cette petite fille, cette fille, quoi. Et après, il y a tous ceux qui me suivent pas ou qui m'aiment pas de base. Tous les haters. Je savais qu'il utilisait la religion. Je savais que c'était pas un bon musulman. Je savais que l'humanitaire, c'était fake. Ouais, comment ça se fait qu'il aime les enfants? Comment ça se fait qu'il prie mais qu'il cautionne ça? Ça n'a aucun rapport. Tu mélanges une histoire à Madagascar où je fais des puits
Parce que là, clairement, il y a des gens qui disent, ouais, il fait des puits, c'est un mytho, il cautionne ça. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Tu fais des puits pour des gens qui crèvent de faim. Et après, tu rigoles parce qu'une meuf a essayé de te voler. Parce que c'est des trucs tellement rien à voir et tellement ridicules que les haters là, même pas, je leur, tu vois, je te réponds, je vous fais une petite story vite fait, mais vous êtes chelou. Tu vois, tu compares pas un musulman, un mec qui fait l'humanitaire et tout ça. Cette histoire-là, c'est hyper chelou. C'est chelou. Et pour tous ceux qui se sont demandé comment ça se fait que cette vidéo elle est sortie. Parce que cette question que je reçois, comment ça se fait que la vidéo elle est sortie, machin, tout ça. Déjà, c'est pas grave qu'elle est sortie. Comme ça, au moins, voilà, vous avez. Ça fait. Voilà, vous avez ce qui se passe dans certaines soirées. Je vous rassure, des fois, c'est pire que ça. C'est comme ça, mais c'est la triste réalité dans le monde dans lequel on vit. Pas forcément des bagarres ou autres, mais des fois, c'est plus sombre que ça, dans différents thèmes. En fait, c'est parce qu'ils ont demandé. Il y a un blogueur, il avait, je crois, la vidéo, et il a demandé de l'oseille à Hicham en mode ouais, tu me donnes 30 000 et je ne sors pas la vidéo. Le mec, il a dit je te donne 30 000 et tu ne sors pas la vidéo. En fait, c'est les blogueurs justiciers 2.0, tu vois, en mode je suis la justice, mais si tu me payes, je dis rien, j'ai rien vu. Bah, frérot, c'est quoi comme justice ça? Ouais, ok. C'est comme quand, dans la vraie vie, comme si t'as un bon avocat, tu le payes alors que t'es coupable, alors que t'as violé une meuf ou t'as tué quelqu'un. Mais t'as un bon avocat, tu payes, voilà, t'es innocenté, personne n'a rien vu, la juge n'a rien vu, personne n'a rien vu. Je déteste ce genre de truc. Frérot, si t'es la justice, fais le bien. T'es la justice, même s'il y a, il donne 30 000 et tout, sors la vidéo. Attends, c'est-à-dire que pour l'argent, tu fermes les yeux. C'est à vomir. Mais ça fait partie aussi de ce milieu-là. Tu peux étouffer des affaires tant que t'as de l'oseille. Tu vois. Et moi, Hicham, je le dis, hein, Hicham, il peut payer. Hicham, il peut payer. Et moi, j'ai dit non, Hicham, paye pas. Frérot, même pas, tu donnes un euro. Même s'il dit la vidéo, je la sors pas si tu me donnes 100 euros, je vais dire à Hicham, sors la vidéo. Rajoute tout, tu payes des gens. Ou d'où on te menace comme ça en mode tu me payes et je sors pas la vidéo. Jamais je dirai, vas-y, frère, c'est dégueulasse, c'est à vomir. C'est en mode tu payes, je sors la vidéo. Enfin, tu payes, je sors pas la vidéo. Tu payes pas, je sors la vidéo. Bah, sors la vidéo, frérot, abuse-toi. Hein. Les amis, j'ai retrouvé des vidéos de la soirée parce que j'ai cherché dans mon autre téléphone, parce que j'ai changé de téléphone qui est là d'ailleurs. Il est là. Et j'ai cherché des vidéos à cette date-là. Je me suis dit, il n'y a pas des vidéos, machin et tout ça. Et vous allez voir, je vais vous mettre des vidéos après l'altercation qu'il y a eu. Vous allez voir. Regardez la vidéo, c'est comme si de rien n'était. Et parce qu'on sait ce qui s'est passé, le début, la fin, ce qui s'est passé, la bouteille de champagne, vous n'avez pas vu. On a dit arrête, machin et tout. Il y a plein de trucs qui sont passés. Mais on voit que la partie, entre guillemets, la plus grave dans la vidéo qui est sortie. Mais regardez, genre, la fille, vous allez la reconnaître, elle a la même robe, elle est sur le balcon. Et on est tous là en train de rigoler tout ça parce qu'elle ne part pas, en fait. Et même à un moment donné, je vais mettre une vidéo où je dis à Amir, il vient vers moi, il me dit « Ouais, elle est partie ». Je dis « Non, elle est encore là. Elle est encore là. » Alors que, tu vois ce que je veux dire, tout ce qui s'est passé. Et je viens de retrouver ces vidéos, je vais vous les montrer. Après, bien évidemment, c'est une soirée. Quand il y a une soirée, il y a de l'alcool, il y a des filles, machin. Je vais pas vous apprendre c'est quoi une soirée. Hein. On vit pas au Moyen-Âge, même si je suis musulman. Parce que tu sais, il faut toujours le rappeler à certains cassos. Putain, j'en ai marre de mes cheveux. À certains cassos, quand je viens d'une soirée, ouais, il y a de l'alcool, même si j'en bois pas, il y a de l'alcool à table, il y a des filles, machin et tout ça. Je suis pas non plus un extraterrestre, je vis pas non plus au Moyen-Âge ou dans une époque qui n'existe pas. Non, je suis à Dubaï en 2020. En 2000 pour le coup, en 2020. Et ouais, c'est ce genre de soirée, c'est comme ça à Dubaï. Quand tu vas sur un bateau, c'est pareil, c'est ce genre de soirée. Il y a de l'alcool, il y a des filles, il y a des disputes, il y a des clashs, il y a de l'amour, il y a du machin. Tu vois, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, que tu sois musulman ou pas, c'est comme ça. Et toujours, je dois me justifier sur ça, comme si je parlais d'un truc. Voilà, alors il y a une soirée, il y a l'alcool sur la table, même si j'en consomme pas, c'est comme ça, c'est une soirée. Ça s'appelle une soirée. T'as vu, et quand tu fréquentes des jeunes, et ben, c'est comme ça dans les soirées, t'as capté? Oui, dans la soirée, comme si de rien n'était. Après la dispute, comme si de rien n'était. Parce que la fille, elle n'est pas déformée, elle n'a pas le visage déformé. On voit Hicham marcher, on voit ses copines en train de rigoler. Voilà. Voilà ce qui s'est passé dans la vraie vie. Voilà, en fait, je vous montre juste aussi un peu la fin de la truc, parce qu'on a l'impression la meuf, elle a été tabassée, ensuite elle a été aux urgences. Non, elle a fini sur le balcon, elle rigolait, ses copines rigolaient, ils sont partis, ils n'ont pas porté plainte, parce qu'elle était en tort. En tout cas, au début, elle était en tort. Après, je trouve que voilà, le tort s'est échangé, parce qu'il y a eu des réactions à ne pas avoir.
Mais au début, elle était en tort. Et c'est pour ça que. Bah, en fait, tu te mets à notre place. On vient chez toi, tu invites des gens chez toi, que ce soit une fille, un garçon ou un extraterrestre. Il vient chez toi, il te vole des bijoux. Des bijoux, ta mère, imagine, elle vole la bague de ta mère ou des bijoux de ta mère, tu pètes un câble. Et Hicham, il a réagi pour ça. Ça n'excuse pas les faits. Je ne cautionne pas, mais j'explique la situation. Après, bien évidemment, j'ai des petites sœurs. J'aurais pas aimé que ma sœur soit affichée et filmée comme ça. Après, bien évidemment, ma sœur ne va pas à ce genre de soirée et ma sœur ne sort pas jusqu'à 11h du matin avec des mecs comme ça, en tout cas avec des mecs de télé. Et je me mets dedans. Hein. Quand je dis les mecs comme ça, c'est je me mets dedans. Ma sœur ne sort pas avec des mecs comme ça et encore moins jusqu'à 13h du matin. Si elle rentre à 2h, c'est déjà trop tard, alors qu'elle est majeure. Mais pour vous dire, je me mets totalement à la place de cette fille, de leur famille. Peut-être elle a des frères, peut-être elle a son père, machin et tout ça. Je me mets à sa place et je suis vraiment désolé parce que je sais que vous allez voir cette vidéo. Vraiment, du plus profond de mon cœur, je suis désolé pour vous. Je cautionne pas, mais voilà, il y a eu une contexte. Votre fille, elle était à cette soirée, il s'est passé des trucs, voilà, comme je vous ai expliqué. Mais je suis pas fier de ça, je suis vraiment désolé. Je le fais pas, je vais pas à m'excuser, je le fais vraiment sincèrement parce que je peux m'excuser que ici. Et je le fais pas pour mon image et tout parce que j'en ai clairement rien à faire. Je suis plus à ça près, mais je suis vraiment désolé pour vous et pour votre fille.